Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, béni soit le nom très saint de ta gloire, béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, toi qui sièges au-dessus des kéroubim, béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, gloire, éternellement. Nous exhorte Saint Paul en tant que frère, écoutons. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez bien vous asseoir. Jean au chapitre 3, versets 16 à 18. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas, est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Veuillez bien vous asseoir. Alors mes frères, mes sœurs, nous sommes rassemblés encore une fois à la faveur d'un kairos. Et l'Eucharistie est au cœur de ce kairos. Et en ce jour particulièrement, nous ouvrons les activités par la Sainte Messe, comme je le rappelais au début de la célébration, pour dire merci. Important de dire merci, de toujours remercier le Seigneur. Nous n'aurons jamais de cesse de lui dire merci. Il a tellement fait. Et aujourd'hui, heureuse coïncidence, l'Église, notre mère, nous donne de célébrer un moment particulier, un événement grandiose, un grand mystère, celui de la Sainte Trinité. Le mystère du Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Dieu qui se révèle à nous en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Et la parole faite chair, la parole révélée depuis tant et tant d'années, est là pour nous aider à entrer dans ce mystère, ou en faire entrer notre quotidien dans ce mystère de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Alors mes frères, Dieu le Père, nous le savons bien, est le créateur de toutes choses. Comme nous rappelle notre credo, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Alors c'est un détail très important, créateur de toutes choses. Le Père Tout-Puissant, le Père Éternel est créateur de ce qui est visible aux yeux humains, mais ce qui échappe même à l'intelligence humaine. Parce que quelquefois, consciemment ou inconsciemment, on pense que Dieu est limité, alors qu'il va au-delà de toutes choses. Au fur et à mesure qu'on découvre de nouvelles constellations, de nouvelles planètes, on se rend compte de la magnificence de l'œuvre de Dieu. Il a créé tout l'univers. Alors ne jamais perdre cela de vue. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé ce qui est sous la terre, ce qui est sous la mer. Alors, c'est important, hein, mes frères et mes sœurs, de retenir cela. Parce que dans le combat que nous menons contre les puissants des ténèbres, parce que c'est un combat que le Seigneur nous invite, alors nous n'avons pas le droit d'ouvrir certains lieux pour permettre à ces puissances de nous envahir. Alors il n'y a aucun lieu de l'univers qui est réservé aux fils et filles des ténèbres. Tout appartient à Dieu. Tout provient de Dieu. Alors c'est à nous de dominer cet univers par la puissance, le pouvoir que le Père éternel lui-même nous a donné. Il nous a revêtus d'une puissance particulière, pas pour nous pavoiser, mais
pour que nous dominions le monde, pour que nous soyons maîtres et possesseurs de l'univers, comme disait Descartes, mais en tant que chrétien, c'est-à-dire être comme co-créateur avec Dieu, être procréateur avec Dieu. Dieu est toute vie, maître de toute vie. Et ce Père-là, dans sa bonté infinie, a décidé pour rassembler, réunir les hommes, les êtres humains, pour les ramener dans son giron. Il a décidé d'envoyer son Fils unique, celui qu'il aimait tant, Jésus-Christ. Parce que l'homme, aveuglé par le péché, s'est éloigné de Dieu. Parce que l'homme, connaissant des folies de grandeur, a voulu se prendre pour Dieu. Et c'est toute l'image de la tour de Babel. On s'entend non pas pour faire le bien, mais pour jeter Dieu aux oubliettes. On n'a plus besoin de ce Dieu, c'est un empêcheur de tourner en rond. Alors on va le rejoindre, on va le dominer là où il habite. C'est très prétentieux, mais c'est la prétention des puissants des ténèbres. Voilà pourquoi il nous faut être vigilants, mes frères et mes sœurs. Et le Père éternel envoie Jésus pour détruire toutes ses œuvres, pour remettre les pendules à l'heure, pour leur dire, le monde ne vous appartient pas. Je peux permettre certaines choses, non pas pour perdre mes enfants, mais pour leur permettre de lutter, pour leur permettre de raffermir leur foi, leur permettre d'éprouver leur engagement à ma suite. Alors Jésus vient. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu invisible se rend visible. Il se fait l'un de nous, comme dit Paul, à l'exception du péché. Il va prendre chair dans le sein, dans les entrailles d'une femme, d'une mortelle, la Vierge Marie. Et ce sera une grâce particulière pour cette femme-là. Nous connaissons l'épisode de la visitation. Comment l'Esprit va se saisir d'Élisabeth pour proclamer que cette femme est bénie entre toutes les femmes. Et Jean le Baptiste, dans son sein, dans le sein d'Élisabeth, tressaille. Parce que lui aussi est poussé, est saisi par l'Esprit du Seigneur. Donc Jésus vient. Marie est recouverte de l'Esprit Saint. Déjà la Trinité est là. Quand le Père criait, le Fils était là, l'Esprit également était là. Il envoie son Fils et la mission essentielle du Fils, c'est de racheter, de sauver tout ce qui était perdu, tout ce qui a été arraché, ramener cela au Seigneur, Dieu Père éternel. Donc Jésus est venu, né d'une femme, né dans une famille. Voilà un autre lieu de la manifestation du Dieu trinitaire, la famille. Parce que la famille de Dieu, c'est la famille trinitaire. Donc c'est un grand lieu, la famille. Et c'est un lieu aussi que le Dieu veut habiter. Parce qu'il veut détruire les fondamentaux de la famille. Il veut donner une autre vision, une autre conception de la famille. Alors cette fête, mes frères, mes soeurs, est importante. Pour revenir aux choses essentielles, aux fondamentaux de la foi chrétienne, telle que révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus vient, il fait ce qu'il doit faire. Il enseigne, il guérit, il ramène à la vie des morts. Et il va subir les assauts des ennemis de la vérité, de la justice, de l'amour, de la libération totale, intégrale de l'être humain. Parce que Jésus, il est venu pour libérer totalement, pour redresser, pour faire recouvrer la dignité, une dignité perdue. Jésus remet l'homme au centre de l'univers. Mais quand il guérissait, surtout chez l'apôtre Jean, au-delà du signe qu'il réalisait, mais le Seigneur redonnait l'espérance, redonnait vie à tout point de vue. Parce que c'était des personnes, la plupart de ceux qui guérissaient, qui étaient mis au banc de la société. Ils n'avaient aucune prise
sur tout ce qui se passait dans leur milieu. Ils étaient considérés comme des moins que rien. Alors Jésus vient pour tout ce monde-là. On dit, tu manges avec les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, pour les malades. Pas pour que leur mal empire, mais pour qu'ils prennent le bon remède. Et ce remède-là, c'est moi Jésus-Christ. Je suis venu pour qu'ils sachent que cette maladie ne conduit pas à la mort, mais qu'ils reviennent joyeusement à moi. Alors ça va susciter l'ire de ces scribes, pharisiens et autres. Ils vont tout mettre en œuvre pour faire taire cette parole, pour enchaîner cette parole. Mais Jésus triomphe en tout point de vue. Par jalousie, par méchanceté, on le fait arrêter. Il est emprisonné et il subit toutes sortes d'opprobres. En définitive, Jésus est crucifié, est mis à mort et tout semble perdu. Mais la parole de Dieu se réalise. La promesse que Dieu a faite à son peuple se réalise. Jésus brise les portes de la mort. Jésus brise les tombeaux. Pour dire que l'homme n'est pas fait pour le tombeau. Il est fait pour la gloire en Dieu. Il est fait pour la vie. Alors cette mission de Jésus-Christ qui a commencé depuis 2000 ans, mais elle continue. Il y a tellement de tombeaux de nos jours. Si bien que devenir disciple est devenu chose tellement difficile. Elle nous ramène à l'essentiel. Parce que le sang qu'il a versé, c'est le sang du rachat pour tous et chacun. Pour dire que plus rien ne donne nous faire reculer sur le chemin de la foi, sur le chemin de la conversion. Et Jésus vient, il est crucifié, il est mort, mais il ressuscite 3 jours après. Et il va rester 40 jours avec ses disciples, le temps nécessaire pour les instruire, pour les initier, pour la mission à venir. Et à un moment donné, il leur dit, alors je pense que vous êtes prêts, je vais m'en aller. Bien sûr, ils sont désemparés, comme au jour où le Seigneur leur avait été arraché. Mais Jésus leur fait comprendre que c'est bon pour eux qu'ils s'en aillent. Pour qu'elles viennent, le paraclet. Je ne serai plus avec vous. Mais en réalité, je le serai par la puissance de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit viendra et vous aidera à continuer la mission. Il vous aidera à faire reculer les bandes du mal, à combattre contre Satan et ses suppôts. Et l'Esprit est advenu. Et il nous a remplis de ses grâces, de ses dons. Il a renouvelé les dons déjà reçus au baptême. Il nous a comblés des charismes nouveaux, renforcés ceux que nous avions déjà. Mais tout cela en vue de la mission. Et la première mission, me semble-t-il, c'est la mission qui s'adresse à nous-mêmes. C'est-à-dire être disciple soi-même d'abord. Faire sa propre expérience de Dieu. Alors l'annonce est d'abord destinée à moi-même. Comment est-ce que j'ai reçu la parole? Est-ce que je me laisse saisir, toucher par la parole? Est-ce que je suis poussé vers le bien par la parole? Est-ce que j'utilise à bon escient les charismes que j'ai reçus? Alors la première conversion commence par soi-même. Et c'est le meilleur enseignement, le meilleur témoignage, la meilleure évangélisation. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui font la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est de pratiquer les commandements. La volonté de mon Père, c'est que tous nous ayons la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. La volonté de Dieu, c'est de renouveler son regard sur l'autre. Mais des fois, le regard que nous avons sur l'autre
Mais c'est un regard malsain, un regard destructeur. Comme si l'autre n'avait pas reçu lui aussi l'Esprit Saint. Comme s'il n'avait pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà un lieu, un grand lieu où Dieu nous attend. Qui est l'autre pour moi? Mais c'est mon frère, c'est ma soeur. Et aujourd'hui, on ne doit plus entendre parler de Caïn. Caïn était tellement mauvais, il ne supportait pas que son frère puisse, par sa bonté, toucher le cœur de Dieu. Mais il n'avait simplement qu'à suivre les pas de son frère. Il va jusqu'à tuer son frère. Mais on peut tuer son frère de mille manières. Dans le regard, la manière de lui répondre. Alors si nous sommes des adorateurs de la Trinité Sainte, alors nous sommes poussés à cette charité fraternelle. C'est cela être disciple. Parce que je me laisse toucher, saisir par la parole. Parce que la parole me bouscule. Parce que la parole me convainc que je suis un pécheur. Mais un pécheur pardonné. Alors moi aussi, je demande la force du Seigneur pour pardonner. Pas pour m'enfermer dans cette haine. Aujourd'hui, il y a tellement de blessures. Mais c'est la haine qui transparaît dans de nos cœurs. Alors, offrir cette haine, Seigneur, c'est sans doute difficile pour moi. J'ai subi tellement de violence, tellement d'humiliation, tellement d'incompréhension. Mais j'ai la ferme volonté d'en sortir. Mais je ne le puis sans toi, sans ta grâce, sans ta force. Alors, il faut savoir, quelquefois, se regarder comme dans un miroir pour voir où on en est soi-même avec le Seigneur. J'en suis où? Est-ce que j'avance, je progresse dans les voies de la sainteté? Ou bien est-ce que je continue de m'emmurer dans le mal? Alors il faut, mes frères, mes sœurs, nous qui voulons être de véritables adorateurs du Dieu vivant et vrai, il nous faut prolonger cette adoration par la pratique des vertus chrétiennes, par la pratique des vertus que Jésus-Christ lui-même nous a enseignées. Oui, ce matin, à la paroisse, il y avait la cérémonie de la profession de foi, c'est-à-dire le renouvellement des promesses baptismales. Et en revisitant, justement, j'allais dire cet exercice-là, on voit qu'il y a des paroles très fortes dans ce qu'on appelle la renonciation. On dit, voulez-vous, mais rejetez-vous telle chose, tel mal. Et on répond. Ce sont des petites choses quelquefois auxquelles nous ne faisons pas attention. Mais c'est là que le diable arrive à nous avoir. Parce que quelquefois c'est du bout des lèvres. C'est de manière machinale qu'on répond. Alors que c'est une promesse ferme que nous voulons faire à Dieu. De le servir en toutes circonstances. De rester accroché à lui en veille contre tout. Alors, cette promesse doit engager tout notre être et ne pas être de simples petites paroles que nous prononçons. Oui, après le baptême pour certains, les choses se compliquent. Il y en a même qui perdent la foi. Mais c'est simplement parce que les racines ne sont pas solides. On n'est pas ancré véritablement en Jésus-Christ. Parce que normalement, quand on a fait un bon cheminement, qu'on a la grâce de Dieu, effectivement, on a affronté aux puissants des ténèbres. Parce qu'ils ne supportent pas qu'on puisse leur échapper et qu'on soit entièrement au Seigneur. Alors, il faut se revêtir de l'armure pour le combat. Il y en a qui n'aiment pas lutter. Il dit, comme on a reçu la grâce, donc tout c'est facile, tout va aller comme sur des roulettes. C'est pas comme ça que ça se passe, mes frères, mes sœurs. Ça devient plus difficile. Mais on a les forces nécessaires pour remporter la victoire. Parce que la victoire nous appartient toujours. Il faut combattre. Alors, en célébrant la Sainte Trinité,
C'est pour nous rappeler que Dieu nous a tout donné. C'est au nom de Dieu, sous l'étendard du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, que nous sommes versés dans ce monde pour proclamer la bonne nouvelle. Alors cet étendard, c'est l'étendard de la victoire. Alors il faut rester constamment sous cet étendard pour ne pas que l'autre, le père du mensonge, ait raison de nous. Alors il nous faut tout mettre en œuvre, mes chers frères, mes chères sœurs. Et ce Kairos nous invite à aller porter la parole, à aller porter dans la bonne nouvelle. Allez! Mais avant de partir, il faut être bien arrêté. Donc, tu vas commencer à partir là, tu vas tomber. Et pour te relever, ça sera difficile. Donc, s'arrimer vraiment au Seigneur Jésus-Christ. S'enraciner en lui. Dans les sacrements. Être un familier de la parole. Jésus-Christ, c'est la parole. La parole faite chair, la parole révélée. Se laisser constamment conduit par l'Esprit du Seigneur. Alors, si on est soi-même un véritable disciple, convaincu de la parole de Dieu, alors, irrémédiablement, on pourra faire d'autres disciples. Mais encore une fois, en commençant par la famille, par sa famille, la petite famille, du père, de la mère, des enfants, bien sûr. Mais aller au-delà même. S'il y a tellement de problèmes aujourd'hui, tellement de divisions dans nos familles. Telle femme avec sa belle famille, quelquefois dans la grande famille, telle grand-mère, tel oncle, telle tante, tel cousin, telle cousine. Voilà des lieux d'évangélisation, des lieux de proclamation de la parole de Dieu. Des lieux qu'il faut illuminer de la lumière du Seigneur. Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous invite. Soyons véritablement disciples. Quand on est véritable disciple, alors immanquablement, on peut faire d'autres disciples. Oui, j'ai toujours en mémoire l'expérience forte de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Il était disciple d'une autre foi et croyait fortement. Mais le Seigneur le saisit, le Seigneur le convainc que lui, il est le maître, lui, il est le Seigneur. Et dès cet instant, il devient entièrement, profondément disciple. Et il part faire d'autres disciples. Et c'était un disciple vraiment convaincant. Parce qu'en regardant sa vie passée, on dit, si un tel homme est transformé, si un tel homme parle de Jésus-Christ, c'est qu'il en est convaincu. C'est qu'effectivement, il a été touché. Alors je nous souhaite d'être tellement touchés que nous puissions faire des disciples nouveaux en Jésus-Christ qui est vivant maintenant et au siècle des siècles. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons la Sainte Trinité, proclamons donc notre foi au Dieu trinitaire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs, demandons maintenant au Dieu trois fois saint de nous donner les âmes nécessaires pour être disciples et faire des disciples. Consacrés, prions le Seigneur afin qu'ils annoncent la parole de Dieu à tous les hommes avec fidélité et amour. Pour nos gouvernants, prions le Seigneur afin qu'il les assiste de son Esprit Saint dans leurs fonctions, leurs paroles et leurs actes. Pour tous ceux qui souffrent, prions le Seigneur afin qu'il prête une oreille attentive à leurs souffrances et leurs plaintes, par le bien de la parole de Dieu. Pour notre communauté ici rassemblée, prions le Seigneur afin qu'animés de son Saint-Esprit, nous annoncions jusqu'aux extrémités de la terre la bonne nouvelle. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Dans ton amour, mon Dieu, pitié, exauce-moi. C'est ma prière. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Dans ton amour, mon Dieu, pitié, exauce-moi. Sois honnête, ne suis-je pas ton enfant? Sois honnête. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Mes frères, mes soeurs, c'est le moment favorable. C'est le kairos de la gloire de Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ est offert au Père éternel par la puissance de l'Esprit Saint. L'Eucharistie est le lieu par excellence de la manifestation du Dieu trinitaire, du Dieu trois fois saint. Alors saisis ce moment de grâce. Surtout, le Seigneur veut ton cœur. Quel qu'il soit, quel que soit ce qu'il habite maintenant même, ce qui a pu l'habiter, quelles que soient les plaies que tu portes, unis-toi à ce sacrifice pour que le Seigneur te fasse du bien, pour que le Seigneur te guérisse, pour qu'il fasse de toi un véritable disciple. Mes frères, mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et la plus haute puissance des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Hosanna, Hosanna, in excelsis.
vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Gloire. Chante gloire et louange à ton Dieu. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, avec la puissance du Saint-Esprit. Ta seule gloire, il se livre à toi, il s'offre à toi. Oh, saisis cet instant de grâce. Jésus est là pour toi. Jésus l'a mis toujours fidèle. Le monde n'envoie pour l'adorer l'agneau. Jésus, l'agneau immolé, pour toi il est là. Pour toi il peut tout faire. Ce qu'il a fait hier pour tant d'hommes et de femmes.
pour toi, il veut le réaliser aujourd'hui. Nous élevons nos voix. L'agneau. Chantons gloire. Gloire à ton Dieu, gloire à ton seul Dieu. Le Dieu de ta paix, le Dieu de ta joie, le Dieu qui guérit les blessures de ton cœur, le Dieu qui restaure ta famille. À l'agneau souverain de briser tous les liens qu'il a pu avoir. Ce dont tu es conscient, ce dont tu n'as pas conscience. C'est le moment de prendre possession de tous ces biens qu'on t'a ôtés par pure méchanceté, par pure jalousie. C'est le moment de demander à l'agneau souverain de changer la face de ta famille, la face de ton foyer. C'est le moment de lui demander de faire de toi un véritable disciple, une véritable disciple. L'agneau souverain. C'est lui qui t'a révélé le visage du Père. C'est lui qui t'a promis l'Esprit et il a envoyé cet Esprit. Il a renouvelé cet Esprit. Et il t'envoie en mission. Il dit, va, fais de tes frères, de tes sœurs, de ceux qui t'ont fait du mal, des disciples. Qu'ils me connaissent eux aussi. C'est le moment d'offrir ton cœur blessé, ton cœur trahi, ton cœur angoissé, ton cœur désespéré, ton cœur humilié, ton cœur incompris. Béni sois-tu, ô agneau souverain. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang
de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Que ta vive soit Alors tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu, au Saint-Esprit du Père et du Fils, de te remplir, de prendre le contrôle de tout, pour faire de toi un véritable adorateur, une véritable adoratrice, de faire en sorte que les soucis, les fardeaux ne t'éloignent pas de Dieu. Demande-lui de te remplir de son eau vive, de t'abreuver de son eau vive, de t'embaumer de son Saint-Esprit et de décanter toutes les situations difficiles dans lesquelles tu te trouves. Jésus est là. Celui que tu as tant cherché, il est là. Jésus, Jésus, je souffre trop. La maladie domine mon corps, a complètement anéanti mon corps. Seigneur, ça ne va plus malgré mes efforts, malgré mes prières dans mon foyer. Seigneur, j'ai attendu, la promotion n'est pas venue. Jésus, j'ai été promu, mais la rémunération ne suit pas. Jésus, regarde mes enfants. L'un accro à la drogue, l'autre à l'homosexualité. Jésus, regarde ces enfants que j'ai élevés et qui me causent peine et misère. Jésus, regarde mon enfant qui ne connaît pas encore les joies de l'enfantement. Oh, comme j'aimerais que dans mon sein tressaille une vie comme l'enfant tressaillit dans le sein d'Élisabeth. Oh Jésus, je crie à toi, crie à ton Dieu. Jésus, je veux vraiment être ton disciple, mais que d'obstacles. Moi-même, je ne suis pas véritablement disciple. Je veux être ton disciple pour faire d'autres disciples. Oh Jésus, je suis là. Oh Jésus, accomplis un signe en ma faveur. Oh Jésus, j'ai mal. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, mes enfants sont là. Mon époux est là. Mon épouse est là. Mes frères et sœurs sont là. Ma grand-mère est là. Cette grand-mère que je déteste tellement, elle est là, Jésus. Ma belle-famille est là. Ma belle-mère, je ne la supporte plus. Elle est là, Jésus. Oh Jésus, Jésus, que tes vives eaux inondent mon âme. Seigneur, sans la puissance de ton esprit, je ne pourrai m'en sortir. Qu'il vienne prendre le contrôle. Qu'il vienne prendre le contrôle.
ce qui semble impossible, qui vient le rendre possible. Je dépose tout à tes pieds. Je dépose tout à tes pieds. Que ton précieux sang inonde mon cœur, inonde ma vie. Inonde mon cœur. Chaque situation qui trouble ma vie me ramène en arrière, qui me livre au puissant des ténèbres. Oui, crie Jésus. C'est ton Seigneur. C'est ton Dieu. C'est ton Maître. Fais-lui confiance. Compte sur lui. Donne-lui ton cœur. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Ambroise et tous les saints qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières, les intentions formulées ou enfouies dans les cœurs de ta famille, assemblées devant toi à la faveur de ce Kairos, et ramène à toi paix très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes, les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En Jésus-Christ, nous formons un même corps, un seul corps. Nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Le Père de Jésus-Christ
est devenu le nôtre. Et nous sommes régénérés par l'Esprit Saint. Alors mes frères, mes sœurs, osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de toute peur, de toute angoisse, de tous les pièges du tentateur, de toute tiédeur spirituelle, de tout refus de croire en la miséricorde de Dieu. Délivre-nous de tout ce qui afflige notre conscience, tout ce qui nous convainc que nous n'avons pas reçu de grâce, de charisme et qui nous maintient dans les profondeurs des ténèbres et donne la paix à notre temps, à tes enfants ici rassemblés, à ceux pour qui te prie, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves qui quelquefois nous submergent et que nous ne comprenons pas toujours. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu le redis à chacun de tes enfants, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ils sont tellement nombreux. Regarde la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui, donne-nous toujours cette paix et conduis-la, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Père ». Heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Il est là, mon amour.
troublé. Tout incrédulité. Ta crise, le roi des rois. Répand, répand l'esprit de foi. Le sang des vies est là. Chante le Saint-Esprit est là. Te mettre debout, nous allons reprendre ce chant. Alors ce que fait faire le Saint-Esprit en cette sphère de la Sainte Trinité, c'est vraiment de guérir, de libérer ton cœur. Voilà le socle. Et s'il est vraiment là, c'est que ton cœur lui est ouvert, suffisamment ouvert. Alors, reprends chacune des paroles de ce chant. Approprie-toi chacune des paroles de ce chant. C'est vraiment une action de grâce au thème de cette Eucharistie. Et avant de poursuivre le programme de ce jour, que le Saint-Esprit soit dans ton cœur. S'il n'est pas dans ton cœur, il ne sera nulle part. Et ce sera en vain que tu serais venu à ce temps-là. Ouvre ton cœur au souffle de l'Esprit. Que le grand jour de Dieu s'ouvre pour toi. Alors si la mort a disparu, cela voudrait dire que tu n'appartiens plus aux puissants des ténèbres, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, que tu appartiens à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous pousse à appeler Dieu Père, Abba. Il nous convainc que nous sommes frères et sœurs de Jésus-Christ. Alors que ce soit le grand jour pour toi, le jour du renouvellement, le jour de la régénérescence, de la renaissance. Jour s'est levé, Dieu nous a visité. Je te visite, il te visite. Et il te dit, il y a trop de résistance. Chantons. Trop de résistance dans ton cœur. Alors laisse l'Esprit briser sa résistance. Laisse l'Esprit te pénétrer pour pouvoir faire son œuvre en toi. Pour que tu ailles en mission, toi aussi. Le Saint-Esprit est là. Contre toi,
toutes ces malédictions sont brisées. Le Saint-Esprit transforme cela en bénédiction. Parce que tu es l'enfant de Dieu, tu es le bien-aimé de Dieu, le fils, la fille du Père éternel, régénéré par le sang de Jésus-Christ. Alors, on t'a dit, toi, tu vas mourir tel jour, à telle heure. Le Saint-Esprit annule cela. Ta vie appartient au Seigneur. Ta vie n'appartient pas aux sorciers, aux génies, à cet homme ou à autre chose. Ta vie appartient à Jésus, que le Saint-Esprit est là pour toi. Oui, leurs proclamations ont disparu. Elles n'ont aucune puissance sur toi. Salut pour toi, pour ta vie professionnelle. Salut pour ta vie familiale, ta vie matrimoniale. Salut pour ta vie relationnelle. Oh, ce grand jour, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est ton jour. Le jour du Saint-Esprit. Oh, il est là, le Saint-Esprit. Qu'il pénètre dans ton cœur, qu'il guérisse ton cœur, qu'il libère ton cœur, qu'il réjouisse ton cœur. Cette haine que tu portes, cette colère maladive, que le Saint-Esprit brise cela. Que tu aies enfin la joie, ce voile de tristesse que tu portes tous les jours, que le Saint-Esprit le déchire. Oh Saint-Esprit, merci de faire du bien à ton peuple. Merci, c'est le moment favorable. Merci d'être là, Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci, merci de nous transfigurer. Merci de nous transfigurer. Alors tu n'es pas venu en vain à ce Kairos. Tu repartiras avec les grands dons du Saint-Esprit. Oh, Jésus est fidèle. Le Père est fidèle. Oh, merci Saint-Esprit. Merci. 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 Ô Trinité Sainte. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.